cette nouvelle journée avec moi, dans la peau de moi, Alexandra, naturo ou pas, bref. Bon, déjà, je vais essayer de ne pas regarder au milieu de l'écran, mais de regarder au niveau de l'objectif. Sinon, en fait, moi, je me suis rendu compte lors du dernier... dernier montage de la vidéo, c'était juste horrible. Je m'exaspérais moi-même de regarder, de pas regarder au bon endroit. Donc du coup, j'en profite, je regarde au bon endroit. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée aujourd'hui de vous accompagner, enfin que vous m'accompagniez dans cette journée. Pas forcément être exceptionnel, mais j'ai quelques petits trucs à vous dire, sachant qu'en fait, pourquoi moi j'aime bien faire ce genre de format vidéo, c'est parce que c'est pas tant que vous voyez absolument tout ce que je fais dans ma journée, parce que voilà, c'est pas trop mon style non plus, mais néanmoins j'ai quelques petits sujets que j'aime bien aborder, que ce soit des sujets un peu très précis, on va dire, et puis peut-être des astuces aussi un peu plus naturelles sur des choses que j'utilise, des produits que j'utilise, etc., qui pourraient vous intéresser. Et donc, c'est plus simple pour moi de le faire en format comme ça que de faire X vidéos face cam avec un sujet bien spécifique. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça va vous plaire en temps de voir un peu comment se déroule ma journée. Là, il est 9h30, je suis rentrée du sport parce que j'ai fait un petit peu de cardio ce matin et j'ai pris ma douche et voilà, je suis prête. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner encore et j'ai pas trop envie pour le moment, j'ai pas très très faim. Je vais attendre un petit peu, d'ailleurs c'est un sujet que j'aimerais aborder dans la vidéo si j'oublie pas, sur l'alimentation un petit peu intuitive, etc. Mais ça, j'ai un bon sujet à aborder dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. J'ai un truc super excitant, enfin en tout cas pour moi, aujourd'hui, c'est que je vais... donc c'est une journée en fait que je vais consacrer au podcast. Donc j'aime bien en fait faire un peu du batch working comme ça, du batch testing, ça dépend comment on l'appelle. Bref, en fait, c'est de se dire que vous consacrez un gros laps de temps ou quelques heures ou une journée à faire à peu près de la même chose et à enchaîner. Donc par exemple, si vous faites typiquement du ménage, et bien, en fait toute la journée vous faites du ménage, point, vous passez à autre chose. Ou alors sur le travail, ben ça peut être, ben, moi voilà le podcast, au lieu de faire deux podcasts par-ci par-là, ben je me dédie la journée entière à faire le script, l'enregistrement et voir si j'ai le temps, le montage, etc. Mais de plusieurs épisodes en même temps. De manière à bah, après voilà batcher et puis passer à autre chose et j'ai déjà des podcasts, des épisodes d'avance. Donc c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Ah, je suis désolée, il y a des travaux dans la rue, il y a des bus qui passent aussi, il y a des voitures, enfin bref, c'est un peu le bazar. Vivement le déménagement, vous l'avez déjà entendu lors de la précédente vidéo, enfin c'est pas encore vraiment prévu, malheureusement. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais faire, en fait comme j'ai un enregistrement de podcast prévu avec une invitée, je vais en profiter pour banaliser ma journée, quasiment on va dire, encore la voiture, à écrire plusieurs scripts d'épisodes moi que je vais faire en solo et pourquoi pas les enregistrer parce que moi mes épisodes solo ça dure à peu près entre 15 à 40 minutes maximum, plutôt 15 à 30 minutes. Donc ça veut dire que si je les prépare suffisamment bien, je peux en enchaîner quand même plusieurs, si je ne me rate pas trop aussi. Le plus long quasiment en fait, c'est d'écrire un peu le script, ça veut dire écrire un peu ce que l'on veut dire, avec les bullet points, etc. Faire les petites recherches, etc. Mais ça, c'est quand c'est fait, je peux après les enchaîner. Donc voilà, c'est un peu ça que j'aimerais faire parce que justement, à 11h, j'ai l'enregistrement avec une interviewée. Donc c'est une invitée que j'interview, c'est une femme que, alors je spoil un peu parce que l'épisode va sortir je pense pour la saison 2 donc, du podcast Hygiène de vie, pas avant septembre ça c'est sûr, peut-être octobre, voilà, parce que j'aime bien alterner solo et duo. Donc, je ne sais pas exactement, mais c'est une personne que je... Alors que moi, je suis depuis pas mal de temps, en fait. Voilà, c'est une personne qui a déjà un podcast. C'est une femme entrepreneur qui a son entreprise, du coup, forcément, qui est maman, qui a donc plusieurs rôles, qui a vécu, en tout cas, peut-être subi plusieurs burn-out. Le but, c'est pas forcément parler du burn-out spécifiquement, parce que on verra comment ça se passe d'ailleurs, parce que j'en ai déjà fait un épisode avec ma maman. Mais c'est plutôt de voir comment elle gère sa vie,
avec ses différents rôles, par quelle phase elle est passée aussi, mais comment elle gère, comment elle équipe sa vie, quelles sont ses routines, comment en fait elle intègre son hygiène de vie au cœur de sa vie justement, tout en restant productive. Tout en restant productif pour son travail, pour son business, tout en gardant aussi du temps pour sa famille, pour elle, etc. Donc voilà, c'est tout ça dont j'aimerais parler avec elle. Et elle a son propre podcast, j'aime beaucoup cette fille. Elle a un fort dynamisme, elle a du peps, elle a une voix très agréable. Et puis les sujets qu'elle aborde dans son podcast, moi, m'intéressent parce qu'en fait, c'est sur l'entrepreneuriat et notamment sur l'entrepreneuriat et le podcast aussi. Donc voilà, c'est comme ça que moi, je l'ai connue. Et elle a aussi un blog. Enfin voilà, ça va être vraiment génial. Et en fait, je voulais absolument l'interviewer et je l'ai contactée il y a quelques mois via Instagram, non, directement sur son adresse mail via son blog, parce qu'elle a aussi un blog. Et en fait, elle a répondu à la positive très rapidement. Alors, ce n'est pas fait tout de suite parce qu'elle était un petit peu occupée, mais au final, on a réussi à trouver une date et c'est super chouette. Je ne pensais vraiment pas qu'elle allait m'accepter parce qu'en fait, bon, elle a quand même pas mal, une belle audience, elle a déjà un peu beaucoup de bouteilles et je ne pensais pas que, voilà, moi, petite comme je suis, elle dédierait un peu de temps pour moi. Donc voilà, je suis vraiment très très surprise et très contente. Et donc voilà, c'est aujourd'hui, donc c'est dans à peine 1 heure et demie. Donc voilà, je suis trop trop excitée. Donc voilà, toute ma journée va tourner un peu autour de ça parce que voilà, c'est mon rendez-vous de la journée. Après, autour de ça, moi je vais écrire mes scripts, essayer de les tourner aussi, les tourner. Je pense que j'aurai pas le temps de monter mes podcasts, mais je les tournerai. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avant, enfin le behind the scene, ces petits moments-là. Quoi d'autre? Sinon, si je vais, je suis en train de me faire une infusion. Je vais vous montrer ce que je fais d'ailleurs comme infusion. Donc ça, c'est l'infusion en fait que j'utilise. Alors en fait, c'est bien un mix de plantes. Donc moi, j'achète quasiment toutes mes plantes en vrac. Et après, je fais mon propre mix. Donc en fait, il y a un petit mix de rooibos qui donne cette couleur un petit peu marronnée que j'aime bien. Et dedans, en fait, j'y rajoute des feuilles d'artichaut pour le foie. Des feuilles d'artichaut, donc pour le foie. Des graines de cardamome, des clous de girofle. Et voilà. Donc des fois, je mets du gingembre. Voilà. En gros, je fais un petit peu un mix. Et puis, je mets dans ma carafe comme ça qu'on m'a offerte. Et je laisse infuser plusieurs minutes. Et puis après, je me sers tout simplement dans ma tasse, ma grosse tasse. Bon, elle est un petit peu sale parce que je ne l'ai pas trop rincée. Que j'ai faite d'ailleurs, que j'aime beaucoup. C'est dans une boutique de céramique, en fait, où je fais ça avec des copines. On achète notre vaisselle complètement blanche, puis après on peint, etc. Donc voilà. Ah, j'avais soif. Et je vais également vous montrer un complément. Je vais commencer une espèce de probiotique. Je vais vous montrer en fait directement. C'est une cure de probiotiques que j'achète chez Herbolistique. Donc ça s'appelle Colonflore. C'est une cure de probiotiques où il y a 10 milliards de souches, donc ce qui, enfin 10 milliards de ferments lactiques, ce qui est quand même assez intéressant. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de cure de probiotiques, donc voilà, j'en fais, je dis pas qu'il faut en faire tout le temps, en fait, c'est pas forcément nécessaire. Moi, j'aime bien faire en termes de routine une à deux par an. Mais surtout en fait, c'est qu'en fait là j'ai eu un petit problème. Je pense que j'ai fait une intoxication alimentaire ce week-end. Alors je sais pas trop d'où ça vient. J'ai une petite idée, mais je suis pas certaine. Au départ, je pensais que j'avais la grippe et j'avais peur d'avoir le Covid d'ailleurs. Mais en fait, vu à la vitesse à laquelle c'est passé, au final c'est pas ça. C'est certain d'ailleurs.
Mais j'ai quand même eu un attaque grippale et en fait, je pense que c'est mon système immunitaire qui s'est vraiment déclenché de manière assez impressionnante. Donc, ce qui montre finalement que j'ai une bonne énergie vitale. Enfin, c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que bah, des fois les symptômes, il faut pas, enfin, c'est pas des fois, c'est que les symptômes, il faut pas forcément les renflouer et que si vous avez quelque chose et que vous êtes très très mal, c'est pas que vous êtes, bah, c'est pas que vous êtes faible, c'est qu'au contraire, votre corps a suffisamment l'énergie de se battre contre ce mal. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. À part si vous avez une température après qui monte très très fortement et qui pourrait venir créer des lésions au niveau du cerveau, bien entendu, il faut aller voir le médecin, il faut même aller à l'hôpital dans ce cas-là. Mais d'avoir un état grippal, par exemple, se sentir pas bien, avoir des nausées, vraiment, moi, j'étais vraiment pas bien du tout, j'étais au lit à 18h, et ben au final, de laisser, de pas prendre, moi, j'ai pas pris de médicaments, hein, j'ai pris sur moi et j'ai laissé la chose passer, je me suis couchée tôt, et en fait, le corps. Mais en fait, le corps, en fait, il est fait pour ça, pour se battre. Et plus il se bat, plus ça montre que vous avez une bonne énergie vitale. Donc, c'est plutôt un bon signe. Moi, le lendemain, je me suis réveillée, ça allait beaucoup mieux. Même si gastriquement, j'étais encore un peu dérangée, mais je souffrais pas du ventre. Et j'avais plus ces frissons, j'avais plus cette température, etc. Donc voilà, c'est une bonne. C'est un bon signe en fait. Donc tout ça pour dire que comme voilà, j'ai eu cette intoxication alimentaire, je me suis dit que c'était la bonne occasion de commencer une cure de probiotiques. Donc ça s'appelle Colonflore de chez Herbolistique. Donc Herbolistique, c'est un laboratoire que j'utilise, enfin avec lequel je travaille entre guillemets, hein, c'est juste que j'utilise leurs produits et je peux les recommander à des clients quand ils en ont besoin. Ça, sachant que si vous venez me voir hein, en consultation, en coaching, en hygiène de vie, sachez que vous pouvez repartir sans aucun complément alimentaire parce que moi, pour moi, c'est pas une fin en soi. Au contraire, tout doit venir de l'alimentation et des piliers fondamentaux de l'hygiène de vie, à savoir l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions. Pour moi, les compléments alimentaires ou tout autre produit sont des choses en support. Et de manière curative, enfin de manière curative dans le sens où c'est sous forme de cure, pas curative post, mais cure, de forme de cure. Donc c'est vraiment de manière exceptionnelle. Comme là, voilà, j'en fais une. Ça fait peut-être 8 mois que je n'ai pas fait de cure de probiotiques. Et là, j'en fais parce que ça fait 8 mois et parce que en plus, j'ai subi un petit désagrément gastrique et je préfère voilà, faire un bon nettoyage une fois pour toutes, enfin un bon nettoyage. En tout cas, repeupler un peu ma flore intestinale qui t'a pris un petit peu cher. Donc voilà, donc en fait, je vais en prendre 2 gélules par jour. Il y a 60 gélules, ce qui fait normalement 1 mois de cure. Je vais faire ça sous forme donc de pas de 4 semaines mais de 5 semaines puisque je vais faire 2 semaines de cure. Je vais faire sous forme de je vais faire une fenêtre thérapeutique donc je vais arrêter la cure pendant 1 semaine de manière à laisser mon corps bah, bien s'habituer et absorber tout ce qu'il a eu pendant 2 semaines. Je vais faire une pause et ensuite je vais reprendre les 2 prochaines semaines. Donc en fait je vais faire ma cure de 1 mois sur 5 semaines. Voilà pourquoi je prends ça et en fait je prends ça et je prends éventuellement la vitamine D3 éventuellement parce que en fait grosso modo en ce moment il fait quand même assez lumineux même si je suis dans le nord il fait lumineux je marche environ 1 heure par jour forcément tous les jours donc en soi j'ai pas besoin vraiment de vitamine D3 donc je peux en prendre une goutte par-ci par-là dans la semaine parce que à côté de ça je mange pas forcément de poissons qui sont les seuls aliments qui possèdent de la vitamine D3, donc de la vitamine D. Donc voilà, je fais quand même un petit complément, mais voilà, tout simplement. Je ne prends pas plus de compléments que ça. Au niveau des oméga-3, moi je consomme pas mal d'huile de lin, d'huile de colza, d'huile de chanvre. Je consomme pas mal aussi des noix. Donc je n'ai pas forcément nécessité à prendre des oméga-3. En tout cas, mes analyses de sang n'en demandent pas. Et d'ailleurs, j'en profitais pour faire un premier sujet sur les compléments. C'était le premier sujet que je voulais aborder. Une petite gueulante en fait sur la prise de compléments alimentaires. Je vois beaucoup de personnes se complémenter. Je suis vraiment désolée pour le bruit, c'est vraiment désagréable.
Je vois beaucoup de personnes se complémenter comme ça, de manière bah, seule en fait, juste en lisant plein de choses et puis en disant mais je vais faire comme un tel ou comme un tel. Et en fait, la seule chose que je veux dire, c'est que je ne vous dis pas forcément d'aller voir forcément un naturopathe à chaque fois. Mais si vous décidez de vous faire des cures de compléments en multivitamines achetées au supermarché déjà, c'est pas forcément la bonne idée parce que c'est pas souvent des bonnes vitamines et vous n'allez pas forcément les assimiler correctement. Or, vous n'avez pas, enfin, or uniquement le fait d'absorber une vitamine, c'est pas ça qui va vous faire que vous allez aller mieux. Il faut aussi bien l'assimiler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, que votre flore intestinale et votre système digestif fonctionnent bien, parce que c'est ici, c'est au niveau du système digestif que l'assimilation se fait. Donc si vous avez un système digestif qui ne fonctionne pas bien, de toute façon vous avez beau tout absorber et mettre tout l'argent du monde dans vos compléments alimentaires, vous les assimilerez pas bien. Donc en fait, ils serviront à rien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si je prends par exemple le cas de la vitamine C, L-ascorbique, est une forme de vitamine C qui n'est pas bien assimilée déjà par défaut par l'organisme. Donc, qu'est-ce qui va se faire? C'est qu'en fait, les reins qui sont censés éliminer vont fatiguer parce qu'ils vont travailler pour rien à éliminer un excédent de choses qui ne vous servent à rien. Donc, en fait, vous allez plutôt fatiguer vos reins plutôt que de vous apporter de la vitamine C. Donc, manger des agrumes, ce sera beaucoup mieux. Au-delà d'après de la qualité, etc., mais c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'un complément? Parce que déjà, c'est une contrainte de prendre des compléments tous les jours, mais surtout, il y a des oligo-éléments, il y a des vitamines qui, si vous en avez en excès dans votre corps, c'est aussi néfaste que si vous en êtes carencé. Et là, je prends le cas du fer, par exemple. Le fer, être anémié, c'est dangereux. Être en excédent de fer, c'est aussi dangereux. Donc, essayez de ne pas vous auto-médicamenter comme ça pour deux raisons. Pour un, la principale raison, c'est pas de ne pas vous mettre en danger, justement, pour rien. Et la deuxième raison, c'est de ne pas vous créer des contraintes pour rien, mais surtout, en fait, de ne pas dépenser votre argent pour rien. Donc, ce que je vous suggère, c'est que, bon, il y a un complément alimentaire que vous pouvez prendre sans trop de soucis, c'est la vitamine D, puisque la vitamine D, on en est quasiment tous carencés, quel que soit le régime alimentaire. Mais surtout, c'est de réaliser des prises de sang. Avant votre entrée en hiver, par exemple, là où vous décidez de vous complémenter, par exemple, souvent c'est là que vous décidez de se complémenter, prenez rendez-vous chez votre médecin généraliste et faites un check-up et faites une prise de sang. Seulement à l'issue de la prise de sang, vous voyez là où vous êtes carencé, ou là peut-être vous êtes en limite basse et peut-être que l'hiver va impacter. Et dans ce cas, faites votre complémentation. Et ensuite, la complémentation, renseignez-vous bien. Allez pas acheter des choses en supermarché sans vous le renseigner. Peut-être prenez rendez-vous avec un professionnel, que ce soit un naturopathe, un praticien d'Ayurveda ou même une parapharmacie ou en pharmacie pourrait peut-être vous aider. Tout dépend après voilà, de ce que vous voulez faire. Mais surtout, ne prenez pas n'importe quoi et n'importe quand non plus. Voilà, c'était la petite le point, enfin c'est un gros point que je voulais aborder là. C'est plus facile de le faire en vidéo parce que c'est hyper important et moi ça me désespère de voir des personnes. J'ai encore des personnes moi, que j'ai en consultation qui ont un rendez-vous qui prennent des compléments et qui savent même pas pourquoi ils les prennent en fait, enfin, juste parce que au cas où. Donc c'est ça part d'une bonne intention, mais c'est au cas où qui finalement derrière bah, leur coûte de l'argent et en plus ils n'ont pas forcément besoin parce qu'ils sont pas forcément carencés et qu'ils ont une alimentation qui est plutôt qui est suffisante. Donc déjà la première complémentation doit venir de votre alimentation. Donc déjà occupez-vous de votre alimentation, c'est vraiment très important et c'est le plus important. Et deux, qui est très très important, qui va avec, c'est occupez-vous de la santé de votre système digestif. Parce que si vous avez une bonne alimentation et si vous avez un bon système digestif qui vous permet d'assimiler tous les nutriments de votre alimentation, dans ce cas, il y a beaucoup moins de risques que vous soyez carencé, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a beaucoup moins de risques. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a beaucoup moins de risques. Et d'ailleurs, en parlant de nutrition, bah, je travaille justement sur mon deuxième e-book qui sortira aussi bah, justement à la rentrée quand j'aurai, je croise les doigts, quand j'aurai mon nouveau site, qui est justement sur la partie nutritionnelle, où j'écris, enfin je vais vous présenter toutes les bases et toutes les clés à avoir pour une alimentation santé et énergique.
Et bah, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard dans la journée. Je vais vous présenter peut-être un petit peu le sommaire. Je vais faire un petit teasing parce que j'ai quasiment fini. Bah, je suis en phase de relecture et de peaufinage, qui est souvent une phase qui prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'ai accouché du plus gros. Donc, je vais pouvoir vous présenter un petit peu le travail. Mais notamment, je parle de la partie complémentation et les choses comme ça. Donc voilà. Donc bref, assez bavardé. Je vais aussi vous parler, bah, je vais vous montrer rapidement ce que je prévois de prendre comme petit déjeuner, sachant que je n'ai pas encore très très faim. J'ai plutôt très soif. Que j'ai rendez-vous dans 58 minutes pour le podcast, donc il faut que je m'y mette parce que j'ai quelques petits trucs administratifs à terminer avant. Et avant d'enregistrer un podcast avec une interviewée, enfin une invitée, j'aime bien me poser, me mettre dans ma bulle et voilà. Donc voilà, je vais vite me mettre un petit peu au boulot. Je vais juste vous montrer éventuellement la petite collation que je vais me faire pour que ça puisse me tenir quand même jusqu'à l'heure du déjeuner. Si j'ai faim. En fait, je me suis mis dans mon blender, c'est un blender OmniBlend, je me suis mis des épinards et des mangues. Donc, pourquoi j'ai fait ça en avance? Parce que, en fait, je n'ai plus d'épinards frais, donc j'ai mis des épinards surgelés et de la mangue surgelée dans de l'eau pour que ça commence à dégeler un peu, parce que sinon, après, ça fait plutôt une ice cream et une glace. Et là, j'ai plutôt envie de boire quelque chose et boire quelque chose de pas très non plus glacé. Donc du coup, j'ai mis en avance en fait ça à mettre à tremper dans de l'eau tiède de manière à ce que ce soit pas trop froid et que ça dégèle. Et puis dedans, j'y rajouterai certainement une banane, des graines de chia ou des graines de basilic. Enfin voilà, je mettrai d'autres choses en fonction de mon envie du moment. Mais voilà, j'ai fait ça en amont comme ça. Bah, au pire, ce sera mon début de repas du midi ou mon dessert. Bref, ce ne sera pas perdu. Voilà, bah sur ce, je vais aller au boulot. J'ouvre mon GarageBand. Alors du coup, je vais peut-être vous mettre plus là maintenant. Je vais vous montrer un peu quoi ça ressemble. Donc là, c'est un peu mon script que je vais un petit peu relire si j'ai le temps. Je vais ouvrir mon GarageBand pour l'enregistrement et je vais y mettre mes écouteurs. Parce que, en fait, quand je suis comme ça avec une personne qui fait des podcasts, ce que je peux faire, c'est que je vais donc utiliser une plateforme de visio Zoom, pouvoir enregistrer, en fait, voir la personne et en même temps enregistrer.
parce qu'avec Zoom on peut enregistrer, et en même temps en fait moi ça me permet de pouvoir enregistrer la piste son en fait. Sauf que comme elle fait des podcasts, elle a aussi en fait un logiciel pour enregistrer ce qu'on appelle en local. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que moi j'enregistre en local, comme ça si jamais il y a un problème de connexion, et ben j'aurai quand même une bonne piste audio. Et elle, elle va aussi enregistrer en local, ce qui fait que je pourrais moi superposer les pistes, les deux pistes locales pendant le montage, et on aura un audio qui sera quand même très très bon, même si on n'est pas à côté, parce qu'elle, elle est, je crois, à Bordeaux. Voilà. Donc en gros, GarageBand, ça se présente comme ceci. Voilà. Je vais faire un petit test, et puis écoutez, je vais lancer Zoom et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, il s'est passé à peu près 1h36, dont 1h20 de podcast. Donc, c'était un long podcast, mais c'était tellement génial. Je suis vraiment super contente d'avoir pu rencontrer Julie. Je change un peu, je m'efface à vous. C'était vraiment un riche échange. Donc, voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire si vous avez l'habitude d'écouter mes épisodes de podcast. Et il sera disponible donc du coup à la rentrée, je ne sais pas encore quand, mais de toute façon je mettrai le lien du podcast dans la barre d'infos de la vidéo. Et en plus, il a été relativement long et il n'y a pas de gâchis, enfin de mémoire, je pense que j'aurai très peu de coupures à faire, donc ça va me prendre un peu de temps quand même montage, de manière à pouvoir bien superposer les deux... j'en mets mes écouteurs qui servent à rien, superposer les deux pistes. Néanmoins, je pense qu'il y aura très peu de coupes parce qu'en fait, il n'y a pas eu de bug particulier et il n'y a pas eu de foirage, entre guillemets. Donc, je pense qu'il n'y a quasiment rien à jeter, ce qui va faire quand même un épisode assez long. Bon, de quoi faire une bonne marche en nature en la compagnie de moi et de Julie. Voilà. Sur ce, je vais aller faire une petite pause parce que là ça fait un petit moment que je suis assise et comme vous le savez peut-être si vous avez vu ma dernière vidéo, j'aime bien faire des pauses un peu mouvement ou récréatives dans le sens où bah, je m'aère l'esprit ou alors je bouge mon corps, ça c'est un besoin fondamental en moi en fait, et puis je vous invite à le faire si vous êtes aussi très souvent assis ou assise. Donc ce matin, j'ai déjà fait une séance de sport, je vous ai dit, j'ai fait du cardio. Donc là, en fait, je vais aller me faire une petite session de yoga, donc je vais me mettre en tenue. Et puis, je vais aller me faire une session de je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, peu importe, de yoga. J'ai un petit peu de temps, j'ai pas trop d'autres rendez-vous. Je crois que j'ai un rendez-vous téléphonique, juste un ou deux rendez-vous téléphoniques cet après-midi. Mais sinon, rien de l'extérieur. Donc voilà, je peux être assez libre de mon emploi du temps. Donc voilà, je vais aller faire mon petit yoga. Et d'ailleurs, bah, je vous emmène avec moi. Et si vous voulez faire aussi du yoga, bah, n'hésitez pas. J'ai des vidéos de disponibles pour différents niveaux, si vous débutez ou si vous êtes un peu plus aguerri, sur ma chaîne. Donc j'ai une playlist directement qui s'appelle « Le yoga d'hygiène de vie ». Bon, bah écoutez, à tout de suite.
fais bien. J'aime beaucoup faire ce genre de petites pauses là, entre c'est un yoga dynamique avec quelques petits mouvements de pilates par-ci par-là. Bon, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, donc ce genre de pause que j'aime bien mettre dans la journée et qui permet vraiment de me remettre en mouvement. Enfin, de toute façon, ça, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé sur la notion de productivité, en même temps garder du moment pour soi, enfin des moments pour soi. J'en ai parlé sur ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai un petit raccourci pour aller la voir. Et donc là, je vais aller me faire un déjeuner. Je ne sais pas encore trop ce que je vais me faire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et j'en profite pour aborder le deuxième point important que je voulais mentionner dans la vidéo aujourd'hui. C'est au sujet de l'alimentation intuitive. Alors, c'est pas vraiment un coup de gueule que je vais faire, mais voilà, je vais me permettre de donner mon avis. D'ailleurs, j'ai déjà fait des articles sur mon blog au sujet de l'alimentation intuitive. Désolée, j'ai changé de lieu parce qu'en fait, il fallait que je trouve une prise pour brancher mon téléphone, enfin mon appareil photo. Du coup, oui, ce que je disais, c'est sur la même alimentation intuitive. J'ai fait un article de blog, enfin deux articles de blog sur mon site au sujet de l'alimentation émotionnelle et de l'alimentation intuitive. Donc l'alimentation émotionnelle, c'est le fait de manger ses émotions et donc de manger pas parce qu'on a faim, mais parce qu'on est stressé, parce qu'on est en colère, parce que on est content, parce que on est fatigué et qu'en fait on n'écoute pas assez nos signaux de faim et de satiété et que l'on mange sans un réel besoin physiologique. Et l'alimentation intuitive, c'est plus de se dire on mange quand on a envie de manger. Et du coup, c'est un petit peu des fois, ça se marche un peu l'un sur l'autre parce que finalement, manger quand on a envie de manger, ça peut potentiellement dire manger quand on est stressé parce que quand on est stressé, on a envie de manger pour combler une émotion. Et donc, en soi, moi, je suis complètement pour l'alimentation intuitive dans le sens où ça permet de développer justement son intuitivité, son intuition, je sais pas laquelle on peut dire, et que ça oblige à plus s'écouter ou en tout cas à apprendre à s'écouter, notamment à écouter les signaux de son corps et les signaux de faim. Et ça, je pense que la plupart des soucis de poids, on va dire des personnes qui veulent perdre du poids, généralement, la première des choses à faire, c'est de réapprendre à écouter son corps. Et qu'en sachant l'écouter, automatiquement, en fait, on va pouvoir s'alimenter quand le corps en a besoin. Donc ça, moi, je suis vraiment une fervente de, on va dire, ce principe-là d'alimentation, puisqu'il prône l'écoute de soi, et l'écoute de soi, c'est primordial. Néanmoins, là où moi ça titille un peu mes oreilles ou mes yeux, c'est quand je vois des vidéos de personnes qui disent manger selon l'alimentation intuitive. Et quand je vois ce qu'elles mangent, elles mangent des choses pas très glorieuses. Alors, je ne suis pas là pour critiquer les vidéos des autres, etc., parce que chacun a sa manière de faire, et si jamais elles ont besoin d'un accompagnement, bah, elles iront voir les personnes adéquates, et elles peuvent très bien venir me voir, il n'y a pas de problème. Et personne n'a une alimentation parfaite. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas une alimentation parfaite. Moi, j'en ai pas une non plus. Je pense qu'on a chacun son alimentation qui est liée à ses propres objectifs et à son rythme de vie. Par contre, en revanche, moi je reste quand même persuadée qu'il y a des aliments dans la vie qui ne sont pas bons pour notre santé, qui ne sont pas bons pour notre environnement et qui ne sont pas bons pour notre portefeuille. Notamment tous les produits industriels et les produits ultra transformés, les produits ultra raffinés, où en fait il n'y a que de la que de la. Voilà, je ne veux pas dire le gros mot, mais il y a vraiment rien de bon dans ces produits-là, mais il y a vraiment mais rien de bon, c'est carrément, c'est une poubelle en fait. Et du coup, ça m'arrive de tomber sur des vidéos d'alimentation intuitive, donc qui prônent l'alimentation intuitive, et dans ce cas, le message derrière en soi, il est complètement fondé, et enfin, en tout cas, moi, c'est un message
que j'approuve. Par contre, ce que je n'approuve pas du tout, c'est que derrière ces personnes-là qui disent appliquer l'alimentation intuitive, elles se disent, bah moi, comme j'applique l'alimentation intuitive, je m'écoute et aujourd'hui, j'ai envie de manger tel produit, un Kinder, un McDo, un machin. Bah voilà, c'est l'alimentation intuitive, donc c'est bien pour moi. Ok, de temps en temps, pourquoi pas, mais en fait, dans ces vidéos-là, je vois que c'est quasiment leur alimentation. Alors après, les vidéos sont peut-être faussées, mais en tout cas, c'est le message qu'elles transmettent, et c'est là où ça me dérange, c'est qu'elles disent, parce que j'applique, on va dire, un principe d'écoute de soi qui est bon, entre guillemets, voilà, je peux m'autoriser à manger ces produits-là, qui sont des produits de merde, on va dire, hein, désolé pour le mot, mais voilà, je les mange de manière continuelle, on va dire, régulière, et en plus, potentiellement, je montre que c'est bien de les manger. Et c'est là, en fait, où je veux vraiment vous alerter, même à ma petite échelle. C'est que l'alimentation intuitive, ok, et au contraire, je suis pour. Par contre, derrière, ça ne veut pas forcément dire manger intuitivement des produits qui n'ont aucun intérêt nutritionnel et qui vont même être néfastes pour votre santé. De temps en temps, de manière très exceptionnelle, ok, il n'y a pas de problème. L'exception confirme la règle et il n'y a pas de souci pour ça. Par contre, de là à ce que votre alimentation devienne basée sur des produits ultra transformés, mais vous mangez selon le principe de l'alimentation intuitive, là, moi, je trouve qu'il y a quand même un gros warning. Il y a un gros warning et qu'il faut le voir et qu'il faut agir un petit peu en fonction. Donc voilà, donc c'était en gros mon petit message et mon deuxième message que je voulais passer dans cette vidéo sur l'alimentation intuitive. Les produits transformés, j'ai un podcast sur comment bien faire ses courses, ou en tout cas des petites astuces pour bien faire ses courses, ou les habitudes alimentaires à éviter. J'ai aussi deux articles sur qu'est-ce qu'un aliment transformé, parce qu'il y a plusieurs groupes d'aliments transformés, on peut être un petit peu perdu. Donc j'ai fait un article sur ça, et j'ai également un article sur en gros les raisons de ne pas consommer, ou en tout cas de limiter leur consommation d'aliments transformés, je parle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je mettrai les liens de mon podcast, justement des épisodes mentionnés et des articles dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis après, n'hésitez pas aussi à me poser des questions, à revenir vers moi, à être accompagnée. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ne vous laissez pas prendre par ce piège-là de je mange intuitivement, donc je peux manger tout ce dont j'ai envie et notamment des produits. Pas bon, enfin c'est encore une fois pensez à votre santé et à celle de vos enfants si vous en avez, mais ces produits-là, franchement, mais fuyez-les, puis votre portefeuille vous fera vous remerciera aussi. Voilà, sur ce, je vais aller moi me faire à manger. Je sais pas encore ce que je vais manger, quelque chose de rapide mais de bon, et je vous dis à tout à l'heure. Donc ça a pris 4 minutes à faire. J'ai mis de la salade verte au fond. Ici on a un mélange de petits pois, champignons, crème de coco avec des épices qui étaient déjà faits, donc que j'ai mis là. Ici on a du tempeh que j'ai fait hier au four, parce que hier j'ai fait des légumes grillés au four qui me restent mais que je mangerai ce soir. Et j'avais fait aussi du tempeh, donc du coup voilà, je l'ai mis là. Ici on a des carottes râpées qui étaient déjà râpées, j'avais mis un jus de citron dedans pour les conserver. J'ai réassaisonné d'un filet d'huile de lin pour les oméga 3 et de vinaigre de cidre.
J'ai mis un peu de curry, des graines de tournesol, des graines de sésame, du basilic et des herbes séchées, sachant que j'avais déjà en fait là dans les petits pois, il y avait déjà des herbes, du persil, de la coriandre, etc. Donc voilà, donc ça sera mon repas pour ce midi et je me ferai un dessert après, je sais pas. Donc en fait voilà, je savais pas ce que je voulais manger, j'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo, j'ai fait avec mes envies. Finalement j'ai mangé intuitivement puisque j'ai mangé parce que j'ai faim et je mange ce dont j'ai envie de manger. En soi, ça ne veut pas dire que je mange de la merde. Et même si après je me fais potentiellement quelque chose un peu plus un dessert gourmand, et ben ce sera pas non plus de la entre guillemets. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut manger intuitivement, apprendre à s'écouter sans forcément manger des choses pas bonnes. Après, ça ne veut pas dire que vous, enfin, vous payez des choses industrielles ou des choses que vous achetez, je veux dire, qui sont de très bonne qualité. Et pour autant, ce ne sera pas des produits, genre des Kinder, des friandises, quoi. Bon, voilà, j'arrête de vous embêter avec ça et je vais manger parce qu'après, j'ai un rendez-vous téléphonique. Mon plat, place au dessert. Je vais vous montrer ça. Je vais me faire un espèce de bol de yaourt avec enfin, sucré à la compote de pommes. Et je vais y mettre pour un peu de croquant et pour un apport un peu en lipides, je vais y mettre des oléagineux, une poignée d'oléagineux diverses. Et voilà, et ça va être parfait. Donc là, j'ai quand même une sacrée quantité, quand même, je tiens à le dire, j'ai une sacrée quantité de noix et d'oléagineux, etc. Après, voilà, au niveau des quantités, c'est chacun sa quantité. Je ne conseille pas de prendre tout ça pour tout le monde, et en même temps, il y a des personnes qui pourront prendre un peu plus. Ça dépend de leur équilibre sur la journée. Moi, comme j'ai pas pris un petit déjeuner avec une bonne partie de protéines et de lipides, je me permets d'être et que mon déjeuner pareil, je me permets de mettre un peu plus de noix. Et de toute façon, en général, comme j'ai déjà dit aussi sur la précédente vidéo, je prends quasiment pas de collation. Donc en fait, mon prochain repas, ça va être le dîner. Donc au final, j'ai besoin quand même que mes repas soient assez denses. Voilà, après, encore une fois, les quantités, il faut les faire en fonction de vos besoins. Et si vous ne savez pas quels sont vos besoins, ben, je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un pour vous faire accompagner si vous en avez envie. Sur ce, moi, je vais manger mon dessert. Bon, bah voilà, j'ai fini de manger et là je vais enchaîner avec un rendez-vous, donc un premier rendez-vous téléphonique pour de paperasse. Et ensuite j'ai un rendez-vous téléphonique avec la personne avec laquelle je travaille pour refaire mon site internet. Parce que j'ai un nouveau site internet qui va arriver normalement, si je croise les doigts, au mois de septembre. Donc tout nouveau, tout beau, avec une nouvelle charte graphique que je travaille. Et il y aura du coup la possibilité du coup de pouvoir vendre mes produits sur le site. Donc on le transforme aussi en e-boutique. Donc je pourrais mettre mes e-books que je vous montrerai après. Et surtout, ben, je vais avoir la prise de rendez-vous sur mon site internet directement pour tout ce qui est coaching et consultation, avec vraiment une expérience utilisateur beaucoup plus fluide. Et donc du coup là, spécialement, je vais travailler sur ça cet après-midi avec mon webmaster, puisqu'on y a intégré un plugin sur mon site et du coup il faut le paramétrer. Donc voilà, comme il est sur Paris et que moi je suis dans le nord de la France, on va se faire une petite visio pour paramétrer tout ça. Donc voilà, deux beaux rendez-vous téléphoniques et puis après je vais, si j'ai le temps, enchaîner sur, j'espère, au moins un podcast à enregistrer, voire deux que j'ai écrit. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça fonctionne, si ça rentre, mais si ça ne rentrera pas, ben, tant pis, on lâchera prise et puis on fera ça un autre jour, hein?
passé, on a bien tout programmé. Donc, je vous laisserai voir, voilà, je vous serai allé voir sur mon site. Ce ne sera pas avant le mois de septembre, hein, donc début septembre, je pense. Et donc là, je vais juste rapidement vous montrer justement le pourquoi aussi je refais mon site. C'est pour pouvoir y accueillir toute une partie un peu e-boutique, parce que j'aimerais mettre en place des e-books. Donc j'en ai déjà créé deux. Alors ils sont toujours en train d'être peaufinés, hein, bien sûr. Mais j'en ai créé deux, un sur l'immunité et un sur la nutrition. Je vais créer un autre e-book sur, je pense, tout ce qui est boissons santé. Et donc, vous y retrouverez pas mal de recettes sur des smoothies et des jus de légumes, mais donc avec la recette précise et pourquoi, en tout cas les bienfaits associés. Et puis après, voilà, je pense que j'irai un peu plus loin dans l'esprit, mais je vous laisserai aller voir. C'est encore en train d'être mûri dans ma tête, donc je ne peux pas trop forcément vous en parler parce que ça peut changer un peu du jour au lendemain. Néanmoins, ce qui ne va pas trop changer, ça va être le sommaire de mes e-books, puisque potentiellement ils sont déjà écrits, donc je vais vous montrer rapidement pour que vous voyez un petit peu à quoi vous attendre, et puis voilà, et puis en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ben, ils seront disponibles sur le site. De toute façon, je mets mon site, mon lien de mon site, dans la barre d'infos, ce qui fait que n'hésitez pas après à aller voir si ça vous intéresse ou à me contacter directement pour que vous puissiez rentrer dans ma liste des personnes que je contacte en priorité, puisque je vais faire une offre de lancement quand ils seront prêts à être lancés, donc aux alentours du mois de septembre. Voilà, donc sur ce, je vous montre. Premier e-book, donc ce sera sur l'immunité. Je l'ai appelé Stop aux microbes, mes clés pour un hiver serein et énergique. Donc après, c'est pas forcément des choses que pour l'hiver, hein, ça parle de l'immunité de manière générale, mais c'est vrai qu'on sait qu'on a une immunité plutôt affaiblie au mois d'hiver, qu'on est plus sujet aux petits microbes, donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et là, c'est le deuxième e-book, donc nutrition. Mes trois clés pour une alimentation saine et énergique. Et donc là, c'est le sommaire. Donc en gros, là, ce sont toutes les habitudes alimentaires à avoir. Donc je rentre vraiment dans le détail de pas mal de choses, comme vous voyez ici. Ensuite, une partie sur comment on peut réussir à végétaliser son alimentation sans trop se prendre la tête non plus, et pourquoi je vous invite à le faire sans forcément devenir végétarien ou végétalien. Hein. C'est vraiment pas l'objectif non plus. Et ensuite, je vous ai préparé toute une boîte à outils avec plein de templates parfaits pour pour vos courses ou pour être chez vous, imprimés, etc., etc. Donc, comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de contenu, il y a quand même pas mal de textes, mais aussi j'ai essayé de bien les aérer avec une belle mise en page, en tout cas moi que je trouve assez jolie. Et aussi, c'est donc l'e-book sur l'immunité comme l'e-book sur la nutrition, c'est vraiment truffé d'astuces pratiques, pratico-pratiques, aussi bien avec des fiches pratiques, des templates, des exemples, des liens. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que le but, c'est que ce soit vraiment un outil pratique pour vous à chaque fois, et que vous le lisiez une fois à votre rythme, que vous mettiez en place derrière des objectifs, une mise en action. À votre rythme aussi, et que vous gardiez cet ouvrage-là en gros sur votre table de chevet, et que vous puissiez y remettre le nez dedans quand vous en avez besoin, ou quand vous avez fini de mettre en pratique les premières choses et que vous voulez passer à un step suivant. Donc voilà un petit peu comment je les ai conçus. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des remarques ou même d'autres sujets que vous souhaitez que je mette en forme, justement. Voilà, ça me ferait plaisir. En tout cas, j'aime bien faire ça. Ça prend beaucoup de temps, mais j'aime bien parce que c'est un côté très pratique. Et je me projette vraiment, en fait, dans l'objectif final pour vous. Donc ça me motive beaucoup. Bon, sur ce, je vous laisse. Je passe à mon deuxième rendez-vous téléphonique. Et après, je pars sur l'enregistrement de mes podcasts. Et me voilà, il est 6h à peu près, j'ai fini mes rendez-vous téléphoniques et j'ai eu le temps d'enregistrer un podcast en plus, donc je suis assez contente, il me reste encore un que j'avais préparé, donc je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, je verrai. Mais comme je suis dans un bon mood avec un peu d'énergie, je me dis que ça peut être pas mal parce que c'est toujours plus intéressant d'écouter des podcasts quand les personnes elles sont énergiques, donc j'aimerais bien, mais là j'ai vraiment envie d'aller marcher, d'aller m'aérer, il fait bon,
18h, bon, en général, je pars un peu plus tôt, mais bon, là, c'était comme ça. On ne peut pas toujours tout pareil tous les jours. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même besoin de mon moment de marche. Donc, c'est chose que je vais faire. Et on verra en rentrant si je me motive à enregistrer un podcast. En tout cas, j'ai fait le point avec mon webmaster sur la solution de, justement, de prise de rendez-vous en ligne. Et bon, il y a quelques petits bugs à résoudre, mais franchement, c'est super joli, c'est super intuitif. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vais en profiter pour clôturer cette vidéo ici, cette journée avec moi ici. Je pense qu'elle est suffisamment longue. En tout cas, moi, j'avais envie de vous montrer un petit peu à quoi ressemblait ma journée, sachant que c'était encore une journée à la maison. Voilà, néanmoins, j'ai été bien occupée. J'ai quand même eu des rendez-vous. Et j'ai quand même pris le temps de faire des choses pour moi. Et j'avais mais donc les deux choses que je voulais dont je voulais vous parler, qui étaient au sujet des compléments alimentaires et les carences, et puis au sujet de l'alimentation intuitive. Voilà, donc c'est deux sujets que je voulais dont je voulais vous parler, pardon. Et si jamais vous avez d'ailleurs des avis à ce sujet, des questions par rapport aux compléments, aux carences, etc., ou que vous n'êtes pas peut-être d'accord avec moi, ou que vous avez un autre avis, peu importe, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en description et je serais ravie de, enfin en description sous la vidéo tout simplement, je serais ravie qu'on puisse entamer un échange ensemble. Ce sera vraiment sympa de, moi j'aime beaucoup de toute façon échanger des points de vue, ça permet de nous enrichir. Sur ce, je vous mets tous les liens aussi dont je vous ai mentionné, des choses dont je vous ai mentionné en description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ah, aussi, n'oubliez pas de me dire si vous avez aimé la vidéo en la likant. Et n'oubliez pas également de venir vous abonner en cliquant ici ou de regarder une prochaine vidéo si vous voulez faire un peu yoga ou peut-être une FAQ ou une recette. N'hésitez pas à la cliquer là, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!